possède un niveau dans le métier où il est nécessaire d'avoir une gestuelle d'artisan et toute une démarche spirituelle.
Il n'y a pas d'art mineur. À partir du moment où on utilise le mot art, il est toujours majeur. Il est important d'avoir un concept derrière, et pour des gens comme moi, d'avoir un concept qui soit suivi par toute une technique, mais que cette technique-là disparaisse et s'efface au profit d'un art. En une douzaine d'années de métier, j'ai construit une douzaine de fours. Ne pas changer de four pour améliorer une production ou la rentabilité d'une production, pour économiser du bois, chaque fois c'était pour essayer de monter plus haut en température. Que Bernard Palissy était un potier, mais en même temps c'était un philosophe, c'était un écrivain, c'est un type qui a fini sa vie en prison pour ses idées politiques, religieuses. C'était un homme de la Renaissance. Moi je considère que la céramique, ça peut être une forme d'art d'une certaine Renaissance. Et moi j'aimerais être tout, j'aimerais être artiste, artisan, oui, un bon ouvrier, un ingénieur. J'aimerais avoir des mécènes même, ça ne me dérangerait pas du tout. J'aimerais pouvoir m'arrêter de travailler de temps en temps, partir un an, deux ans pour aller faire le tour des musées, pour revoir la peinture Amsterdam, pour aller étudier dans à Séoul ou refaire le tour de toutes ces collections à Londres. Alors le problème de l'artiste ou de l'artisan, pour moi c'est vraiment très très loin. Thank you.
moment de joie, c'est quand je découvre que je détiens un chef-d'œuvre, si c'est un chef-d'œuvre, ce dont je ne suis jamais totalement sûr, mais il m'arrive quand même d'aimer certaines pièces, en fait une dizaine de pièces par an. Thank you.